Bonsoir à tous, bienvenue avec nous pour une nouvelle patrouille avec les SPVM. Ce soir, on va patrouiller secteur nord, secteur ouest. On va avoir 6 patrouilleurs, donc pour les assignations de secteur, on va y aller avec le 11, quel secteur? Ça va être dans le nord. Parfait, le 18. Et également dans le nord. Le 23. Centre. Ça va être ouest ou nord? Ouest. Est-ce qu'on avait une mention spéciale là, ce soir, Max, ou un bolo? Négatif. Parfait. Un petit peu de vitesse dernièrement sur Eclipse. Là. Faites attention dans le coin de la presse. Donc, à part ça, c'est tout. Soyez prudents, messieurs. Bonne patrouille. Joe, 22. Donc, 22-4 à l'écoute. Oui, nous avons 51-03 au commerce de la presse. L'itinéraire sur place, le signal à l'entrée, la sécurité, ils veulent faire le... essaient de faire partir, mais. Ah oui. Captain, est-ce qu'il est agressif? Négatif. C'est bon, on est 10, 10 ans. Hey! What up, homie? De 11 studio. À l'écoute. On va être dans le secteur de ratissage. Capté. Au 2204. 22-4 à l'écoute. Donc la sécurité nous rappelle là, de la presse. L'individu a quitté la direction nord sur Del Perro. Sur le race noire. Avec un bandana blanc à la tête. Je le faisais avec un manteau vert. Capté, est-ce qu'il voulait qu'on l'interpelle pour une raison ou c'était haut? Négatif, juste simplement nous dire que monsieur avait quitté. Capté, on va être de retour sur ça. Capté. 22-08 à studio. À l'écoute. Et concernant la carte d'appel pour la plainte, c'était en haut. Et on retourne en 05. Capté. 23 au centre. À l'écoute. Je vais 12 sur la date. Capté. En proximité, on envoie le 2204, 51-08 dans cette drive pour un 9 raccroché. Capté, j'ai l'individu en visuel, là, c'est l'homme de l'appel, il est dans la cabine téléphonique. 22-11, je vais me rapprocher de dessus. Affirmatif, là, ça court, je sais pas s'il m'a pas vu, là, mais j'ai parti ses rênes, il continue de courir. Dans le stationnement de la presse. J'ai perdu le visuel la dernière fois vu 5108 au bassement de la presse. Je sais pas s'il rentrait à l'intérieur. Il est caché un buisson peut-être. C'est quoi la description physique de l'homme? Je vous envoie ce terminal. Capté. Le 7 on va être coop. Capté le 7.
que moi je suis allé à l'opposé du bâtiment, là, pour le dépistage de l'opère. Je rentrerai à l'intérieur de la presse, je cherche là. T'as-tu fait le tour? Juste passer en bas, on peut aller voir en haut. Ok. De 11 au 07. Allez, écoute. Ouais, t'es reste à l'extérieur. Garde un œil vert, là. Parfait, c'est bon. C'est clé pour le deuxième. Ok, il est peut-être pas rentré là. Ah, il est peut-être resté dehors. Mais je l'ai pas vu, dehors, j'ai fait le tour avant de rentrer. Il est côté Del Perro d'Orsel, il est à l'extérieur côté de ton véhicule de police, c'est lui. Pour la 7, là, on va avoir l'homme devant moi. Hey monsieur! Hey, bougez pas! Ok, ok, wow. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous appelez au 911 pour accrocher le téléphone? Ben parce que j'avais perdu un soulier, là, je l'ai retrouvé d'un buisson, là. J'avais perdu un soulier. Oh oui, j'avais perdu un soulier. Ok. Là, je l'ai trouvé un qui faisait, là. Ok. Vous consommez de l'alcool, monsieur, aujourd'hui? Un brin. Ouais. J'avais mal au cou, fait qu'il fallait que. Appelle-moi une ambulance, là. C'est pas vrai. Ok, puis. Là, vous venez juste de sortir de la presse, qu'est-ce qui se passait, là, pourquoi vous étiez là? Pouvez-vous approcher US au 51-08? Hein? Est-ce que je cherchais mon soulier? Bon, je l'envoie. Ok. Accepté. Enfin, parce qu'on a eu un appel parce que vous vouliez pas quitter les bureaux de la presse. Non, non, mais j'étais sûr qu'il était en dedans mon soulier, mais j'étais gentil, là, j'ai pas été méchant. Ok. Puis, vous avez pensé qu'on vous aiderait à retrouver votre soulier, c'est ça? En appelant ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ça n'a aucun sens ce que vous dites, là. Là, j'ai appelé les ambulanciers, ils vont vous évaluer, puis après ça on va décider ce qui se passe, là, mais vous êtes visiblement à Yves, là, puis vous êtes en train de causer des troubles. Non, 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 moi, public, moi, là, c'est pas Yves, c'est Hubert. Ouais, oui, c'est pas Hubert. Avez-vous des papiers, Hubert? Des qui? Des papiers. Papiers, non. Ah! Permis? Non, pas moi, je conduis pas, moi. Pas de carte d'assurance maladie, une carte d'identité... Je suis jamais malade, moi. Ok. Fait que vous allez jamais à l'hôpital? Bah, voyons, pas besoin de ça. Ok, ok. Bon. L'hôpital, c'est un hôtel de riches, ça. On n'est pas comment vous parlez de ça, là. C'est quoi votre nom? Hubert Garneau. Garneau, comme le cégep. C'est bon, t'es né à quelle année? Ma soeur, t'es 18. Hubert Garneau, c'est sûr? C'est bon. Je vais aller pitonner ça, là, j'en reviens. C'est bon.
de téléphone de la cabine que je l'ai vu appeler en note, là, on va vérifier si ça concorde avec l'appel du 911. 22, tu veux ton vidéo? Pour l'ambulance, t'avais-tu un délai? L'ambulance était en route. Positif, monsieur, un grand délai. Je rappelle. Capté. Il y a un grand délai, là, mais... C'est pas vrai. Avez-vous bu aujourd'hui, monsieur? Juste l'air vraiment sous. Oui, oui, mais on m'aurait pas... J'ai pas dit cette question de mon père. Ouais, ben, au pire... Je vais le citer pour l'appel au 911, puis il reste sa voie publique, puis on va le ramener au poste. C'est ça. On va faire ça, là, il va décrire au bout de... Il va dégriser au poste. C'est bon, on va essayer. Yo 2204 pour US 5 minutes. Capté. Ouais, je pense que US est en route. Dans le voyant pour verrer. Bon, monsieur. Oh, hey là, on entend. Monsieur Garneau? Ouais, elle écoute. Ok, donnez-moi votre bras là. Vous allez être en état d'arrestation pour ivresse à voie publique. Puis je vous envoie. Ici! Ici! Vous allez être mis à l'amende aussi pour votre appel au 91 raccroché. Ah voyons. Ok, c'est bon. Donc là, je vais vous menoter juste le temps de vous fouiller. Ok. Double 22 ans, le retour de 2, vers Garneau. Puis les mandats percepteurs, qu'est-ce qu'on payait, ville de Montréal. En fait, il y avait 4. Il reste public. Et on dit mandat percepteur? Ouais. Et voilà! Bonne catch. Fait capté pour les pommes. Bon, parfait, monsieur Garneau, je vais vous fouiller. Est-ce que vous avez quelque chose de piquant ou tranchant qui pourrait me blesser quand je vais vous fouiller? Non, j'ai... Salut. Salut. Fait que je te brief un peu, là. C'est un SDF. Fait que... mon collègue et moi, on a décidé d'appeler ambulance, là, pour sa sécurité. Juste au cas où. Là, il est percepteur, oh. On le met en état. Dans le fond, au début, on croyait que c'était une personne vulnérable, là, mais en fait, il a l'air juste ivre, fait qu'on va l'amener dégriser en cellule. Puis. Monsieur, tous vos services seront pas nécessaires finalement. Là, que... Monsieur Garneau, étant donné votre opération, là, je vais vous enlever les manettes pour vous mettre en véhicule. Ah, c'est bien fin, c'est bien fin. Yo, 22-23. Allez, écoute, monsieur. C'était qui, Chargers? Plein de circulation. C'est à moi. Le véhicule, 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 bon, merci pour le good man. Faites vite, on va ouais, pas de problème, on s'envoie. Yes, salut. Pour le 18, ça va être TAO pour la carte d'appel séquence. Pour le 7, on a besoin de backup, c'est qui là-là? T'as raison. Capté le 7-09. Pour un homme, c'est à l'intérieur du bord. Le 18, quoi?
23 coop. Vous le faites incontinent à l'heure de 19 C'est... Oh shit. Okay, c'est qui a fait ça là? Andy, t'es à l'écoute? Oui, à l'écoute. C'est où? C'est en arrière sur Milton Road. Bon, je vais en avant. Ok, ton suspect il est... Quoi le statut avec ton suspect? Yo, suspect! T'es clair en bas. Il est sorti par la porte en arrière, là. Je sais plus, il est parti où, là. Ok. Il fait un ratissage, là, sur Milton Road. Ok, mais il fallait que tu le dises avant, là. C'est bon, okay, mets une description terminale. On va faire une description terminale, vite, vite. 55, 27. Répète ton char, répète ton char. Le corps, droit. Donc, Eclipse Boulevard, Milton Road, Picture Perfect Drive. Milton, puis le premier cul-de-sac qu'il y a. Captain 2211, je suis Eclipse Boulevard. Je vais rester devant le bar. J'ai vu un gars, ça court dans la rue, Milton, ça court. Chandail gris, ça descend vers le sud, ça traverse à gauche. Le 7 volé. Confirme, c'est-tu le suspect? Je pense qu'il est dans les buissons. Négatif, il court au côté de la rue. C'est côté ouest de Milton Road. C'est-tu notre suspect, ça? Hey, arrête de courir! Bouge plus! Mets-moi tes mains! Arrête! Mets-moi tes mains! Bouge plus! Mets tes mains! Bouge plus! Ok. Couche-toi au sol! Mets-toi à genoux à terre! Je vais te rendre où, là? Mets ça en tête! Moi je l'enjoue, tu peux approcher. Je suis derrière toi, vas-y. Tirez pas parce que je suis noir. Tu vas ou je vais? Vas-y, toi. On est dans le véhicule, on est 56-01. Parfait, monsieur, je suis une manette. Le suspect fait-tu la description 07? Affirmatif, là, c'est bien lui. Parfait. Mettez le micro. Captez, ça s'entend plus. Bon travail, les gars. Quel avec vous, monsieur? Hey, caché des puissants. On a retrouvé. Ah ouais, ça va. Bon, avancez là. Il a passé son feu, hein. Jaillou, là. Allez vers le véhicule. Vers le véhicule, là. Devant vous. Et que c'était donc, qui là, que. Ouais, c'était moi, donc je vais lui laisser ses doigts. Donc là, tu sais souvent pourquoi on te demande un état d'arrestation pour voie de fait sur plusieurs personnes ainsi que sur moi-même. Donc, t'as un état d'arrestation. Oh, pauvre, si tu fais pitié, hein, c'est fourette. Monsieur, laissez-le parler, là. Ben, toi, t'as menotté, moi, je vais te montrer comment je m'appelle. Ok. Regarde, Ok, une accusation de plus. Te face au véhicule.
Parfait, merci. Donc là, là, je t'explique, t'en étais à l'arrestation pour voir ça sur plusieurs personnes. T'as le droit de garder le silence, tout ce que tu diras sera il pourrait être tenu contre toi. T'as droit à un avocat, si t'as pas les moyens de t'en fournir un, la cour. Yo 22-23. Bien compris, monsieur? À l'écoute de 23. J'ai bien compris. Vous êtes également aussi une charge contre vous pour voie de fait sur un agent de la paix. Là. Menace. Menace de voie de fait. Menace, ouais. Effectivement. Menace, Yo, 22-08. Ouais. Restance à fait ça 50-09. Bon, allez, cherche mon char, il est loin. Dans la mettre un concept à l'intérieur, la porte est verrouillée, le mode de passe. 10-4. Ah, marque-le. Donc là, t'as-tu... Est-ce que ça a été fouillé, ça, ou...? Non, négatif, encore. Ok. On va le fouiller avant, là. T'as-tu des objets tranchants? Non, parfait. Ouais, tu peux rentrer dans le véhicule. T'as eu à te laisser ton véhicule. Parfait. Hey, merci pour le backup, man. Aïe, ça. Hey, pas de trouble. C'est passé vite. Ah, ça dégénère vite d'un bord, là. C'est pour ça qu'on est arrivé vite. Ouais, c'est ça. Écoute. Alright, c'est good, c'est good. Bonne soirée. Merci, là. Salut. 23 studio. C'est quoi? Pour l'appel, c'est possible d'appeler le propriétaire du magasin qui vient de barrer sa porte devant. Capté, je l'appelle. Tu vois? On vient d'ouvrir la porte aux paramédics. On va rester sur place pendant 2-3 minutes, le temps d'extirper la madame de sa maison. Capté. Avec un véhicule pour une infraction CSR 5533 Milton Drive. Capté. Tu veux 2218 au studio. 0. Pouvez-vous approcher le VS 5317? Là, il y a un homme qui s'est fracturé la jambe. Capté, vous envoie ça. Capté. Monsieur? 22-08 à ce vous avez pas vu votre stop en arrière là-bas? Non, mais je taponnais sur ma radio. Ok, puis vous rouliez quand même assez vite là, pour un quartier résidentiel. Est-ce que vous avez votre permis puis les papiers du véhicule? Ouais. Tiens, oui. Bon, fait que bougez pas d'être là, monsieur Desjardins, je vais faire ça, j'en vais. C'est bon. Le 4 au studio. Ouais.
possible d'approcher un autre véhicule, là, j'ai un... Mon suspect ici, son véhicule n'est pas en droit de circuler, puis c'est des jardins, là, juste pour être certain que tout est sous contrôle. En proximité de la 22. Alors c'est bon, j'ai écrit un ticket pour son stop, mais on va remarquer son véhicule, là, il n'est pas en droit de circuler. Plaque impayée. C'est bon. Ok. Ouais, monsieur le jardin. Ouais. Je donne vos papiers. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a une constante d'infraction pour le stop que vous avez brûlé au coin là-bas? Ah, ça fait longtemps qu'on se connaît, là, comme on est. Et une autre chose aussi, vous allez devoir sortir ce véhicule parce que vos plaques sont pas payées. Donc on va devoir remarquer votre véhicule. Ah non, ça se peut pas, j'ai payé par internet. J'ai payé par internet hier. Vous avez payé par internet hier, avez-vous une preuve sur vous? Avez-vous vous montrer comme quoi vous avez payé votre paiement là, sur votre cellulaire? Ah oui, ben oui, ben oui, check. T'as peu, ouais, donne-moi deux secondes. Tiens, regarde, il a accédé, ça. Ok, j'ai pas d'adresse là, je vais faire une deuxième vérification là, puis je vous reviens avec ça, ok? C'est bon. Bon, je vais rappeler le studio, je vais leur demander. Parfait, merci. Bon, oh, qu'est-ce que tu veux faire avec? Écoute-tu un break ou... Ouais, c'est un client qu'on connaît, mais on va lui donner un peu un break là. Faudrait juste que... qu'il parque ça pas loin là, parce que s'il arrive de quoi, il est pas couvert là. Ouais, parfait. Bon, monsieur Desjardins. Ouais. Que j'ai vérifié là, vous avez, même si vous avez payé vos plaques, votre véhicule n'est pas encore en droit de circuler là. Le temps que les délais soient traités avec la SAC, votre véhicule est toujours en interdiction de circuler. Et je vais vous faire une fleur, je ne ferai pas marquer votre véhicule, mais je vais vous demander de le laisser stationner ici jusqu'à temps que ce soit réglé avec la SAC. Vous pouvez pas vous promener avec un véhicule pas plaqué. Ouais, parfait, je comprends. Regarde, je vais me parquer un peu plus loin dans le parking de la ville là, puis je vais coller un taxi dans tout le monde, c'est bon? Parfait, je vais vous suivre jusque là, là, juste pour être certain que tout est bon. Excellent, merci. De rien. Bon, ouais, merci. Ah, pas de problème.